ma jument, voles-tu à des ailes? Cours bien vite dans le vent. Oui, la vie est belle. Nous irons de ville en ville porter la joie de vivre. Nous les petits et les grands courons, il faut les suivre. Nous ferons des cabrioles, les clowns c'est fait pour rire. Vive le cirque qui rit, oui le voilà, au halte là, qui rit est là. Vas-y, puce. C'est que Puce puisse rentrer en piste. Oh, 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 oh. Puce, oh, Puce est coincé. Oh, il va falloir te mettre au régime, mon pauvre Puce. Car si tu ne peux plus entrer sur la piste, tu ne pourras plus faire de spectacle. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. Des poissons pour Miss Rossignol. Du foin pour Bianca. Et pour toi, Puce, une délicieuse carotte croquante et appétissante. Bon appétit, les amis! Oh, tu n'as pas honte? Je vais reprendre les choses en main. Nous allons faire du sport. On s'arrête. Maintenant, on passe aux exercices. Allez, mais ne le dis à personne. Non! Oh, viens, j'essaie de t'aider et toi, tu ne fais aucun effort. Eh bien, puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. C'est vrai que ce n'est pas très gentil. Pipelette ne répète plus ses numéros pour avoir le temps de t'aider et toi, tu ne fais pas d'effort. Tiens, voilà ta carotte. Et je t'ai apporté un gâteau au cas où tu aurais encore faim. Il refuse de manger des gâteaux et il court tous les matins. Je pense qu'il est triste de t'avoir blessé et qu'il veut se rattraper. J'ai peut-être été un peu dure. Il se donne tellement de mal pour maigrir. Mais si malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas entrer sur la piste. Vas-y, Puce, n'aie pas peur.